Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver et merci infiniment pour toutes les personnes qui sont là en direct. Merci infiniment. J'étais très surprise par le nombre incroyable d'inscriptions à ce webinaire. Alors évidemment, tout le monde ne va pas être là ce soir. Il y a bien sûr un replay qui est prévu. Mais voilà, ça veut vraiment dire que bien le sujet de l'hypersensibilité, de l'empathie, eh bien vous touche. Et bien j'espère que ce soir je vous apporterai bien des clés, des choses pour avancer, pour mieux le vivre. Mais en attendant, on va faire les vérifications habituelles. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Sachant que ici j'ai de l'orage. Voilà. Bonsoir donc, bonsoir de Suisse, Isabelle, Muriel, Magali, Régine Huguette, Isabelle de Belgique, Clémence. Alors, vous êtes déjà 44, 45, les chiffres montent, voilà, les personnes arrivent petit à petit, c'est super. Ah, donc, je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais ici, ça s'est bien rafraîchi. Donc, je suis dans les Pyrénées. Et même la dernière fois, j'ai sorti mes bottes. et ma doudoune. Bonsoir, René. Mallory. Super, Isabelle. Merci pour le retour. Hein, Léonie de la Drôme. De la Suisse. Y a-t-il des personnes du Québec? Ou d'ailleurs d'autres régions hors Europe. Ok, super Magali, tout est ok. Alors, je vais tenter de ne pas dépasser, ça va être un challenge pour moi, l'heure et demie, on va dire les 2 heures, hein, parce que 1 heure, 2 heures, parce que bien j'ai prévu énormément, énormément de contenu pour vous. Je vais préparer des diapositives. Si je n'ai pas le temps de tout vous dire ce soir, eh bien, il y a des fiches que je vous avais préparées aussi que je voulais vous transmettre. Donc, avec le replay, comme ça, ce sera pratique. Vous les aurez et puis vous pourrez les étudier les mettre en pratique tranquillement chez vous. Parce que je pense que ce soir, vous allez juste avoir envie d'aller dormir après cette session. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, du coup, si je partage mon écran, je ne verrai pas le chat. Mais je reviendrai voir le chat de temps en temps pour voir si tout va bien. Alors, partager l'écran. Voilà, donc là, ça fait l'effet miroir. Et on commence par ici. Hop, je vais faire un truc. Ouais, alors non. C'est celui-là. Donc, est-ce que vous voyez mes diapositives avec la dame au soleil et le titre Comment cesser d'être perturbé par les énergies négatives sans renoncer à être soi? Hop, alors. Ah oui, je vois plus le. Oui. Pas très pratique ce truc. Bon, c'est pas grave. Ah ben oui, si je clique pas au bon endroit. Ok, tout est ok pour Martine. Ah oui, je vais faire ça. Excusez-moi, je fais un peu de gymnastique là. Comme ça, j'ai le chat en même temps. Ok, merci Linda. Voilà. Alors, j'ai écrit gros. J'ai essayé d'écrire gros, parce que parfois c'est écrit petit. Donc, alors, le sommaire. On attaque le sommaire. Donc, vous avez bien entendu préparer de l'eau à boire, peut-être
un stylo et du papier pour écrire, prendre des petites notes comme ça. Vous pourrez bien entendu revoir la rediffusion à partir de demain. Une écoute au casque, parce qu'à un moment donné, on va faire une pratique. Méditation guidée. Quoi d'autre? Coupez tout votre, ben, toutes les autres sources qui prennent de la connexion. Et puis voilà. Tout ce que vous savez déjà très bien pour les webinaires. Au sommaire, en première partie, nous allons voir hypersensible et empathe, à quoi ça sert? Parce que, en dehors de nous enquiquiner la vie, ça sert vraiment à quelque chose. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on maîtrise son outil que l'on a reçu à la naissance. Les clés pour mieux gérer les énergies qui nous entourent, les énergies plutôt bah, négatives, hein, celles qui nous encombrent, hein, parce que les énergies positives, c'est très agréable à recevoir. Hein. Comment se protéger et retrouver sa confiance, hein, sa confiance en soi, sa confiance en la vie, sa confiance en général. Et puis surtout sa confiance dans le fait qu'on est tout à fait capable de bah, comment on fait pour justement, quand on est très sensible et empathe, eh ben, être au milieu de la foule, au milieu d'énergie négative sans être touché. Il y a des astuces pour ça. Ensuite, nous allons faire une pratique méditative de réunification avec soi-même, petit jeu de mots. Et puis, je vous proposerai, si vous le souhaitez, si pour les personnes qui le souhaitent, comment aller plus loin pour mettre, eh bien, votre sensibilité au service de la vie et pour vous épanouir et pour retrouver vraiment votre essence profonde. Alors, ça c'est dit. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je vais brièvement me présenter. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Larissa, Claude de mon nom de famille. Mon intention, mission de vie est d'accompagner les êtres en phase de transition vitale et de leur permettre de changer de plan de conscience. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, tout simplement, ben, les personnes qui sont en transition de vie, par exemple, très concrètement, l'adolescent qui passe à l'âge adulte ou la personne qui a été mariée, qui s'est séparée, qui va entrer dans une vie ben, de célibat, ou une personne qui est en transition de, voilà, qui découvre, qui s'éveille à ses sens, qui s'éveille à la spiritualité, qui découvre, voilà, qui a eu cet éveil peut-être soudain, un peu trop violent. Ça, c'est pour eh bien les accompagnements des êtres vivants, humains. J'accompagne également les âmes désincarnées, les âmes qui sont perdues à passer dans la lumière. Donc, je fais du passage d'âme. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est la même chose. Ça, il y a un certain besoin, une structure énergétique très particulière. Déjà beaucoup de sensibilité, d'empathie, bien entendu, et aussi beaucoup de haut et bas, puisque les passeurs d'âme, les personnes passeuses d'âme, sont capables aussi bien d'aller très très profondément dans l'ombre et à se connecter aux sphères de lumière quand c'est maîtrisé encore une fois. Mais ce soir, on va pas parler de passage d'âme. Peut-être un petit peu, mais bon. Ce n'est pas le sujet de ce webinaire. On en reparlera à un autre moment si cela vous intéresse. Alors, ma raison d'être, vraiment, qu'est-ce que c'est la raison d'être? C'est, eh bien, la qualité vibratoire qui me traverse, que je n'ai pas choisie, en tout cas, pas par ma volonté, mais qui m'a été transmise à ma naissance, ou voilà. Donc, qui fait que, à travers moi, comme à travers vous d'ailleurs, vous avez votre propre raison d'être. À travers moi, eh bien, l'énergie de la source passe d'une certaine façon et est transmise au monde d'une certaine façon, avec un certain parfum, certaines qualités vibratoires. Et j'ai réussi il y a très peu de temps à mettre des mots dessus, et c'est la première fois que je révèle officiellement ce que c'est, les mots que je vais trouver par voilà, à travers des processus
voilà, pour rechercher sa raison d'être, retrouver sa raison d'être ou la mettre en mots, c'est soutenir l'incarnation et la manifestation de l'énergie christique au cœur du vivant. Voilà. Et donc, c'est ce que je fais à travers toutes mes actions, tout ce que je fais, que ce soit bien transmettre des formations, tout ce que je transmets en formation, ou bien les webinaires, ou bien les méditations que je propose. Mais je peux aussi bien transmettre ça par la peinture ou par n'importe quoi. Bien entendu, si je le fais en conscience et si je me relie à ma raison d'être. Les plus gros challenges que j'ai traversés dans ma vie, et ça va peut-être vous parler, c'est accepter mon incarnation. Je me suis longtemps demandé, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Donc, peut-être que ça, déjà, ça vous parle. Accepter mon incarnation dans la joie et la confiance. Dans la joie parce que, bien, très longtemps, j'étais un puits de tristesse sans fond. J'avais la tristesse avec moi, j'étais triste tout le temps, sans aucune raison, mais une tristesse, j'avais l'impression de porter la tristesse du monde sur mon dos. Et je me connectais sans le vouloir à des vibrations très très basses, très très lourdes, et j'attirais forcément dans ma vie des gens bizarres, avec des vibrations très très basses et très très lourdes, et pas seulement dans, voilà, mais aussi des énergies et des êtres de l'invisible. J'ai dû apprendre à me connaître parce que, eh bien, comme vous tous, comme nous sommes nés dans une société, et vous allez le voir tout à l'heure pourquoi, qui n'est absolument pas adaptée à nous, nous être sensibles, nous être d'amour, qui ont besoin tellement de transmettre d'amour et de joie, eh bien, quand on regarde la société et le monde, ça a l'air un petit peu stérile à côté, donc... Voilà, il a fallu s'adapter et surtout, on n'a jamais eu aucun mode d'emploi sur notre sensibilité. Au contraire, on nous l'a bien longtemps reproché et peut-être encore on vous le reproche et on se le reproche à soi-même et on croit que l'on n'est pas normal. Heureusement d'ailleurs. Et ensuite, eh bien, c'était apprendre à m'aimer. Aussi, parce que je me détestais, je détestais la vie. Et à trouver ma place dans ce monde, parce que j'avais l'impression d'être une extraterrestre. Pour vivre très bien, pour mieux vivre mon empathie et mon hypersensibilité, eh bien, j'ai aussi découvert comment je pouvais l'utiliser, parce que j'ai toujours voulu, je ne sais pas pourquoi, être au service. Voilà, contribuer. J'ai un besoin viscéral de partager, de communiquer. Là, je parle à vous. Je vous parle à vous à travers une caméra en conférence. Il y a 20 ans, j'aurais été incapable d'imaginer que j'étais capable de faire ça. Voilà. Donc, la vie m'a poussée. Et aujourd'hui, eh bien, je me réjouis vraiment à chaque fois que je peux partager des moments avec vous, même à distance. Mais au début, voilà, j'étais tellement en mésestime de moi-même. Je me disais, mais qui je suis pour transmettre des infos? Je connais rien de la vie. Bref, j'étais la dernière des idiotes du quartier. Voilà. Donc, j'ai appris à découvrir, à utiliser mes capacités, surtout mes capacités extrasensorielles, au service de la vie. Voilà pour moi. Donc, maintenant, être empathe ou hypersensible, à quoi ça sert? Déjà, eh bien, d'après les recherches scientifiques d'Hélène Aron, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, 20% de la population humaine, 20% seulement de la population humaine est hypersensible. Il y a eu des tests et voilà, il y a eu des recherches par rapport à ça. Et 20% seulement de la population humaine est hypersensible. Je ne me souviens plus combien on est sur Terre,
Mais par rapport aux autres 80%, ça fait pas beaucoup. Hein? Donc, il est tout à fait normal que la plupart des gens ne nous comprennent pas puisque notre fonctionnement est différent de 80% de la population. En plus de ça, la société, voilà, la société, la culture, tout est basé sur le fonctionnement des 80% de la population. Hein, puisque c'est plutôt un fonctionnement intellectuel. On peut dire que voilà, ils utilisent une partie du cerveau et nous, on utilise l'autre. Et donc, tout ce qui est tout notre environnement social, culturel, bien peut nous sembler pas tout à fait aligné avec ce que nous on a besoin, ce dont nous avons vraiment besoin, nos besoins profonds. Donc ils peuvent répondre à certains besoins basiques, bien entendu, mais il y a des besoins qui ne trouvent pas de réponse dans notre culture, dans notre société, dans nos relations avec d'autres personnes. D'accord ? Donc, on va déjà voir quelle est la différence entre l'empathie et l'hypersensibilité. Selon le dictionnaire Larousse, l'empathie se définit comme la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. D'accord ? Donc, je vous ai mis une petite citation d'Alfred Adler, regardez avec les yeux de l'autre, écoutez avec les oreilles de l'autre et ressentez avec le cœur de l'autre. On se met vraiment à la place, donc c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre, à tout niveau. D'accord ? L'hypersensible, c'est la personne qui a un processus de sensibilité sensorielle très fort, et qui en fait des réponses à ces stimuli très accrus. Donc c'est-à-dire qu'une personne eh bien va ressentir de façon amplifiée, une personne hypersensible ressent de façon amplifiée par rapport à une autre personne qui est exposée à la même aux mêmes circonstances. D'accord ? Donc voilà, quand par exemple bien, un hypersensible peut tout à fait se fondre en larmes devant un joli coucher de soleil, alors que la personne avec une sensibilité régulière, normale, ben, va apprécier ce coucher de soleil sans fondre en larmes. Fondre en larmes d'émotion, tellement c'est beau. Voilà, est-ce que ça vous parle, ça déjà ? Donc, lorsque l'on combine l'hypersensibilité et l'empathie, ben, c'est pas facile du tout à vivre. Parce que, voici ce que l'on pense souvent soi-même. Ah ben voilà, je réponds en même temps à la question de Marie-Christine. Alors, sachez qu'il y a un petit délai entre le moment où je parle et au moment où vous recevez l'image et le son. D'accord ? Voilà, donc, pourquoi c'est difficile ? Bien parce que on a une très mauvaise estime de soi. On pense souvent, je suis toujours fatiguée, je suis trop sensible pour vivre dans ce monde, je me sens prisonnière des exigences des autres, je me sens pas libre, je me sens pressée, tout le temps, est-ce que je vaux vraiment la peine? Est-ce que j'ai vraiment ma place dans ce monde? Etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les conséquences d'une éducation qui n'est pas absolument pas adaptée aux hypersensibles. Ce que l'on entend souvent comme reproche autour de soi, et vous allez pouvoir mettre dans le chat ce que vous avez entendu qui vous a particulièrement agacé, et que vous... Peut-être on vous répète en boucle, là. Qu'est-ce qui cloche chez toi ? Tu dors trop ? Parce que voilà, les hypersensibles et emmagasinent tellement d'informations, sont tellement sollicités au niveau de leur sens, de tout leur sens, que ben ils ont besoin de récupérer. Ils ont besoin de dormir un peu plus que les autres. Tu es trop à fleur de peau, tu prends tout pour toi, tu exagères. Ça, je l'ai entendu. Hein.
Tu exagères quand même. Non, mais frère, franchement, tu exagères, Marissa. Pas la peine d'en faire tout un plat. T'es pas normal, va voir un psy. Tu es trop timide. Tu es peut-être aussi trop le contraire. C'est, comment on dit, une personne qui est très. Vas-y, j'ai perdu le mot. exubérante ou voilà, qui s'exprime sans aucune barrière. Trop ceci, pas assez cela. Bref, que des reproches. Comment voulez-vous avoir une bonne estime de vous-même lorsque vous entendez ça des autres et que bah, finalement vous finissez par penser que c'est vrai? Alors, c'est joli, Alma. Bonsoir, les amis. Alors, ce que l'on peut ressentir en tant qu'hypersensible, et j'espère que ça va vous rassurer de voir que vous n'êtes pas tout seul dans votre coin à sentir des trucs bizarres. L'impression de venir ailleurs, d'ailleurs, l'impression de venir d'ailleurs, vraiment pas à sa place dans ce monde, comme un étranger, comme une étrangère. Avoir du mal avec les choses terre à terre, les choses matérielles, avec ce monde matérialiste, vraiment se sentir mal à l'aise avec tout ça. Avoir une certaine nostalgie de l'au-delà, vraiment penser ah. Voilà, se sentir loin des sphères célestes, avoir envie peut-être même de retourner là-haut où tout est beau. Et je l'ai entendu souvent dans certains webinaires où j'ai partagé avec d'autres personnes hypersensibles. À l'intérieur, ces tiraillements très intenses entre l'ombre et la lumière au quotidien, peut-être des hauts, des bas dans notre. Dans notre état d'être, un coup on se sent super bien, on ne sait pas pourquoi, wow, la vie nous sourit, et un autre on se sent complètement déprimé, complètement rien du tout, et ben, à un moment donné, ça ressemble un petit peu à de la bipolarité quand c'est poussé à l'extrême. Beaucoup d'émotivité. Un mental très actif, très une imagination mais alors débordante, une créativité aussi débordante, des relations difficiles. Eh oui, puisqu'on ressent tout de l'autre, on est en empathie avec l'autre. On va voir comment ça fonctionne au niveau cérébral rapidement, hein, tout à l'heure. Des situations bizarres. On attire parfois des vampires énergétiques, des gens dits toxiques, sensation d'être une éponge émotionnelle, d'absorber toutes les énergies des autres, la négativité des autres et des lieux, hein, d'accord, ou même des informations, de tout ce qui est, voilà, de tout l'environnement en fait, de tout. On peut sentir un profond mal-être. Hein. Beaucoup de confusion, voire des états dépressifs, hein, et une dépression parfois extrême à cause de notre hypersensibilité. Donc, si c'est votre cas, faites-vous accompagner, ne restez pas tout seul avec ça. C'est, voilà, moi, je me suis fait accompagner à un moment donné dans ma vie. J'ai toujours personnellement refusé d'aller voir un psychiatre parce que j'avais extrêmement peur que l'on me mette dans un hôpital psychiatrique, je voulais pas, et j'avais très peur en fait que l'on me donne des médicaments chimiques, ce que je refusais, donc j'ai choisi la voie naturelle. Mais j'étais accompagnée pendant très très longtemps et heureusement, sinon je ne sais pas comment, je sais pas si je m'en serais sortie. Et parfois j'ai besoin de me faire accompagner, de me faire coacher. Voilà, ce n'est pas du tout. Ça demande une grande force que de demander de l'aide. Comme ça, vous vous notez quelque part. Si on a vraiment tendance, quand on est voilà, en pâte, à vouloir donner, donner, donner. Et au moment de demander de l'aide, ben, soit on n'ose pas, soit on se sent complètement. Diminuée, bête, voilà. Donc ça, c'est ça vous l'oubliez, hein. Ça demande une grande force, beaucoup de
voilà, de dévoiler sa vulnérabilité et de demander de l'aide. Et ce n'est pas de la faiblesse. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout, contrairement à ce qui nous a été enseigné. Une sensation d'être incompris, vous comprenez pourquoi maintenant, une grande solitude, parfois peut-être l'impression d'être, moi ça m'est arrivé pendant très souvent, je me demandais si j'étais pas à moitié, comment on dit, les personnes qui se coupent de tout. Bah, je trouve pas mes mots ce soir, je suis désolée. Autiste. Parfois, c'était, j'avais l'impression d'être dans un bocal et d'être complètement coupée du monde, d'avoir l'impossibilité de communiquer avec les autres. Et ce qui sortait en fait en communication, c'était complètement pas du tout aligné avec ce que j'avais envie d'exprimer. Bon, c'est très léger, mais c'était très très embêtant. Et ça, ça peut être une réaction en fait à une trop forte sensibilité. Et en fait, le cerveau, il fait un, il y a un circuit, il y a un court-circuit qui se passe et en fait, c'est une réaction de protection pour ne pas sentir trop ce qui se passe autour. Des difficultés qu'une grande solitude, des difficultés aussi à ancrer un projet concret. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, merci Monique. On a des idées géniales tout le temps. Et si on faisait ci, si on faisait ça, on se trouve très joyeux et complètement en confiance avec une idée ou un projet qu'on a envie de monter. C'est pour une certaine catégorie de personnes, des visionnaires. Et on voit tout à fait le plan, comment ça peut se dérouler et tout. Et on commence à vouloir ancrer un projet. On y va à fond. On commence. Et puis après, il y a un autre truc, une autre info qui nous vient, qui nous inspire autre chose. Ah, oh, mais si, ça et tout. Et du coup, en fait, on se dévie du projet et on en commence un autre. Et on commence à s'éparpiller, à papillonner. Et tout est génial, mais sauf qu'on n'ancre rien. Et puis finalement, ou alors on commence à ancrer et là, les problèmes arrivent. Parce que l'on est confronté, et quand on commence à ancrer un projet, ça c'est... ce sera le sujet d'un autre webinaire, on est forcément confronté à soi-même, à ses propres limites dans la matière. Donc, ça se manifeste par des difficultés, des échecs et eh bien souvent, comme on a appris que échouer, c'était pas bien, eh bien, on abandonne. Sauf que ça fait vraiment partie du processus de création. D'accord ? Donc, eh bien voilà, on s'éparpille. Puis finalement, on se retrouve, finalement, j'ai rien ancré. Et ce qui accentue encore cette sensation, ce sentiment profond de « je vaux rien ». Je suis vraiment qu'une « je sers à rien, n'importe quoi, je n'ai pas confiance ». Quand j'essaye de me mettre en situation de me montrer un petit peu, je perds totalement mes moyens. Pourtant, j'aimerais bien exprimer ça, mais je me sens pas légitime. C'est vraiment une lutte intérieure qui est un véritable enfer pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes hypersensibles. Vous avez aussi peut-être parfois une difficulté à mettre des limites. À toujours dire oui et à ne pas savoir dire non, par exemple. Et accepter des choses qui ne correspondent pas à vos besoins profonds, qui sont désalignés avec qui vous êtes vraiment. Pour faire plaisir, pour vous faire accepter ou pour rendre service. Parce que pour nourrir votre besoin viscérale de donner, d'offrir, de partager. Et se sentir très souvent vulnérable et fragile. Voilà.
Donc, on va revenir à donc, bah, dites-moi si dans le chat, ce qu'on a déjà vu jusque-là, ça vous parle, s'il y a peut-être des phrases qui, voilà, ou des choses que vous avez envie d'exprimer, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et en attendant, eh bien, on va revenir sur les problèmes récurrents des hypersensibles et des empathes, des personnes réceptives. D'accord? Première chose, on a tendance à accumuler la négativité des autres ou des lieux et les stocker, puisqu'on n'a pas appris à faire circuler toutes ces informations, toutes ces énergies, et eh bien, elles se stockent en nous. D'accord? Ensuite, il peut y avoir beaucoup de confusion dans l'interprétation, pardon, mentale des informations. En fait, par empathie, on va recevoir des informations, d'émotions, et on va les ressentir vraiment comme si elles étaient à nous. Et on va penser qu'elles sont à nous. On va penser donc que c'est nous qui avons un problème, alors qu'on sait qu'on est à côté d'une personne qui a, voilà, qui ne va pas bien, d'accord? Et on va croire qu'en fait que c'est nous qui allons pas bien. Par exemple, ou alors ça peut aller aussi dans la sensation physique d'un malaise physique, d'une maladie. Par exemple, quand j'étais un jour, je me suis rendu compte de ça avec une expérience très précise, à un moment très précis de ma vie. J'étais à côté de ma mère. Qui faisait parfois des crises d'asthme. Moi, pas. Jamais, en fait. Enfin, je n'avais pas de problème à ce niveau-là. Et à un moment donné, eh bien, elle commence à faire une petite crise d'asthme, rien de méchant. Et j'ai ressenti vraiment dans mon corps, eh bien, tout ça se serrer et comme si c'était moi qui étais en train de faire une crise d'asthme. Et j'ai capté qu'en fait, j'étais en train de recevoir, de ressentir ce que ma mère était en train de vivre. Je dis, ah ouais! Donc, en fait, c'est parfois, si je ressens des malaises, eh bien, c'est pas forcément, ça ne m'appartient pas forcément. Donc là, j'ai commencé à déculpabiliser. D'accord? Alors, ensuite, autre problème récurrent est un ennui. Une sensation de vide et surtout aussi un manque de vitalité, une perte d'énergie, trop souvent, due à une exposition, à l'exposition à un environnement ou à une ou des relations qui ne répondent pas à nos besoins profonds et ressentis et interprétés comme toxiques pour nous. D'accord? Et ça fait vraiment cet effet-là. Ça nous vide. On peut s'ennuyer aussi. Ben, je ne sais pas si vous êtes vraiment assez. Parfois, je refuse de sortir avec certaines personnes pour boire un verre ou quoi, parce que je sais pertinemment que je vais m'ennuyer pour rester poli. D'accord? Parce qu'ils vont parler de choses qui ne résonnent pas avec moi. Un hypersensible a besoin d'être stimulé, de vibrer quelque chose qui leur correspond. Si ça ne vibre pas, c'est vide. Et on ressent ce vide, c'est superficiel, et ça ne nous intéresse pas. Donc c'est normal qu'on s'ennuie. Donc on peut éviter ce genre de situation, pour éviter de faire semblant, surtout. Ce que j'ai fait pendant très très longtemps, j'ai fait semblant en me reniant moi-même, ce qui a une fois de plus renforcé mes estimes de moi, puisque je me niais moi-même. D'accord? Je niais mes propres besoins. Je ne savais pas mettre des limites et dire non aux invitations de peur de blesser. Autre problème récurrent, il y en a plein, hein, il y en a plein d'autres, voilà, il y a plein de listes, mais on va passer des problèmes aux solutions tout à l'heure. Réaction de protection, consciente ou inconsciente. On se coupe de ses émotions parfois ou de son ressenti.
parce que c'est arrivé à un tel niveau que cela devient traumatique. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, votre système nerveux fait un switch, désactive quelque chose qui fait que, eh bien, à un moment donné, vous ne ressentez plus rien. Moi, dans ma vie, à des moments donnés, je ne ressentais plus d'émotion. Et j'avais l'impression, alors je ne vais pas vous faire peur, de comprendre ce que pouvait vivre un psychopathe. Une personne qui blesse une autre personne, et qui ne ressent absolument aucune émotion. Rien. Et ça m'était arrivé dans une relation amoureuse. Je disais clairement à mon copain de l'époque, j'avais plus envie de continuer la relation, qu'il me semblait normal qu'on termine, mais d'une façon tellement froide, visiblement, et lui était hyper sensible, à fleur de peau, mais un truc de fou, il a eu des réactions, mais d'incompréhension totale face à ma froideur. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais c'est vrai, je ne ressens rien. D'habitude, je ressens tout ce que l'autre ressent, mais là, je ne ressens rien. Et je me suis inquiétée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai compris après que parfois, je me coupais de mes sensations, de mes émotions. Et il m'est même arrivé à un moment donné de ne plus rien ressentir au niveau physique. Avoir certaines terminaisons nerveuses endormies, complètement, je ressemblais à ce moment-là à un zombie. Donc voilà. Alors, avant de passer à la suite, je vais revenir dans le chat. Donc je vais arrêter le partage d'écran, sinon ça va être moche. Comment on fait ça? Comme ça, voilà. Donc, je me reconnaissais dans certaines descriptions, pas toutes. C'est parce que je me soigne. Ok, Marie-Christine, merci. Ok, Alma, oui, Narissa, tu as exactement décrit ma vie. François, ça me parle beaucoup car je suis totalement dans un autre monde. Quand le mot que l'on veut dire ne vient pas, que faire? C'est hyper frustrant. Quand on est coupé, qu'on n'arrive pas à communiquer, que faire? J'ai appris à communiquer, j'ai appris à exprimer petit à petit. Déjà, ça commence par une acceptation de ce que l'on ressent, ça commence par un accueil de soi-même, un recentrage, et surtout quelque chose de très important, ne pas vouloir convaincre l'autre personne. Être vraiment dans le parler, l'expression authentique. Que l'autre soit d'accord ou pas, peu importe, mais voilà, on exprime de façon, après ça dépend de la situation, mais de façon authentique ce que l'on ressent. Surtout exprimer nos besoins. Et quelque chose que je n'ai pas dit aussi, lorsque l'on coupe, que l'on se coupe de ses ressentis, de ses émotions, c'est que l'on se coupe de ses propres besoins. Moi, ça m'arrivait très souvent de ne pas savoir de quoi j'avais besoin exactement. J'arrivais pas à capter de quoi j'avais besoin. Quels étaient mes besoins ici et maintenant. Donc ça aussi, ça se travaille. Puisqu'on a appris depuis tout petit à ne pas répondre à nos besoins, à taire nos besoins et nos élans intérieurs. Donc forcément, à ce niveau-là, on a été anesthésié. D'accord. Marie-Claude, ce que tu me dis me parle au plus profond de moi-même. Tes parlements sont justes et clairs, ce qui me fracassait. Grand merci. Merci à toi, Marie-Claude. Merci pour votre accueil. Merci pour vos partages. Espérance qui s'ennuie.
Et très mal à l'aise, oui. Oui, quand on avance, quand on retrouve son être, son essence, quand on l'accueille, quand on l'accepte, eh bien, il y a une partie de notre vie qui, une partie de nos relations qui ne sont plus du tout en phase avec nous. Et malheureusement, bah, comme chacun évolue à son rythme, eh bien, je suis sûre que vous, vous avez la pression de d'évoluer plus vite que les autres. Parce que vous apprenez super rapidement les leçons de la vie. Parce qu'à force de, voilà, vous avez appris à vous en sortir rapidement pour éviter de rallonger la souffrance. Mais voilà, c'est que on ressent parfois le besoin de ben, se séparer de relations qui nous ont nourris pendant un certain temps, mais qui ne nourrissent plus. Et c'est ni juste pour l'autre, ni juste pour soi, de continuer à maintenir la relation telle qu'elle. On peut changer la nature de la relation, mais c'est douloureux, je vous le fais pas dire. Tout à fait, Lou, je me suis questionnée par rapport à ne plus ressentir d'émotions. Mais j'ai compris que j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis d'autres et beaucoup de peur. Maintenant, j'apprends à dire non sereinement et parfois à dire oui et à me délecter de la présence de l'autre dans son humanité sans avoir besoin qu'il m'apporte quelque chose, Magali. Super. René, j'ai du mal à ressentir la joie dans mon cœur. Mon esprit s'embrouille en présence d'autres personnes. D'accord, René. C'est une rééducation. Ça me parle, ça m'émeut très profondément ce que tu dis, René, parce que c'est ce qui m'est arrivé pendant très longtemps. Je me disais, mais où est passée la joie? Je ne ressens plus la joie. J'essaye de me l'imaginer, de me stimuler. Ça ne vient pas. Je ne ressens plus la joie. Alors, Christian Duval, qui a fait une conférence pour les personnes qui étaient au sommet, au premier regroupement de l'âme et des mondes invisibles en juin. Donc c'était un sommet où il y avait plein de conférences et d'intervenants. Il avait fait quelque chose, une conférence extrêmement intéressante sur les fascias, donc c'est la pellicule qui enveloppe les muscles. Du péricarde au niveau du cœur, d'accord? Et à force d'avoir été sollicité, blessé, etc., le cœur, eh bien, ces fascias se sont rigidifiés. Et donc, lui, eh bien, il pourrait peut-être aller voir, je ne sais pas s'il a une page Facebook, Christian Duval, et qui expliquait pourquoi, eh bien, on ne ressentait pas la joie. Donc, ça peut vous rassurer. Et puis, ça peut vous donner aussi des clés. D'accord? Bien aussi, Slavissa, Sarah, je suis très heureuse. Et vraiment, pouvoir vous transmettre, eh bien, tout ça, c'est... Enfin, je vous donne, mais voilà, c'est une joie intense pour moi de partager toujours ces moments avec vous. Sylvie, je sens encore dans la culpabilité de me séparer. Monique, pas facile de trouver des relations nourrissantes, du coup, c'est beaucoup de solitude. Eh bien, réunissons-nous entre nous-mêmes, entre nous, déjà, et après, travaillons à notre relation avec nous-mêmes, qui est tout à fait capable, quoi qu'on en dise, quoi que l'on puisse croire, lorsque l'on a une relation saine et complète avec soi-même, on peut se sentir en complétude en sa propre présence, comme on se sentirait en complétude en présence d'une autre personne qui est notre âme sœur, par exemple. La recherche, parfois désespérée de l'âme sœur, révèle qu'en fait, eh bien, il est indispensable avant de se trouver à l'intérieur de soi-même. Réunir toutes les parts de soi.
Mais ça, je vous renvoie à Mathieu Christol qui en parle beaucoup mieux que moi. Super. Eh bien, on va continuer. Quelle heure est-il? Déjà, je vous ai dit que j'étais bavarde, hein. On n'est même pas à la moitié. Donc, vous avez, c'est une bonne nouvelle, des capacités et un potentiel extraordinaire. Il va falloir apprendre à, eh bien, à utiliser. Ah ben oui, si je ne partage pas mes diapos, ça ne va pas le faire. Hop. Bon, bah tant mieux si ça vous parle de ça. Ça. Masquer. Et ça. Voilà. Donc, vous avez des capacités extraordinaires et un potentiel aussi. Imaginez, mettez-vous à la place d'une. Voilà. Bon. Revenez à vous-même. Vous êtes capable de ressentir ce que d'autres personnes ne peuvent pas ressentir. Vos cinq sens sont hyper développés, le sixième aussi. Donc, vous avez une réceptivité accrue. Mais le problème, c'est que, eh bien, vous captez toutes les informations qui autour de vous, et c'est comme si, bon, l'image que j'aime bien prendre, c'est comme si vous aviez une télé avec tous les canaux en même temps diffusés sur une seule chaîne, enfin tout diffusé en même temps. C'est juste incompréhensible, vous savez pas quoi en faire, et c'est un enfer. C'est trop d'infos et ça, et vous seriez, imaginez que vous étiez obligé de regarder ce programme télé avec toutes les chaînes en même temps. Ça vous, vous aurez l'impression d'être fou ou folle. ce que vous allez, à, ce qui serait bon d'apprendre, eh bien, c'est d'avoir la télécommande et de choisir le canal que vous avez envie de regarder, le programme que vous avez envie de regarder. À quel moment vous avez envie de le regarder et de savoir éteindre le bouton quand vous n'avez plus envie de regarder ce canal. C'est-à-dire de ne plus recevoir les informations de telle ou telle source. D'accord? Donc apprendre à canaliser les sources, différentes sources d'informations. Ça demande vraiment un travail sur son ressenti et apprendre à s'aimer déjà et à se connaître. Parce qu'il n'y a que vous. En fait, vous êtes unique, donc il n'y a que vous qui puissiez interpréter ou voilà, adopter la bonne attitude en vous observant vous-même, en observant, voilà, en ayant une attitude plutôt de voilà, de savant, de chercheur. Vous étudiez vous-même, vous êtes un sujet passionnant, donc étudiez-vous vous-même, apprenez à vous connaître. À reconnaître, bah tiens, dans certaines circonstances, je ressens ça. Ah, qu'est-ce que ça provoque chez moi? Tiens, qu'est-ce que ça provoque comme pensée? C'est vrai que ça, j'ai des pensées récurrentes. Pourquoi? D'accord? Parce que vous avez en fait un cerveau hyper, hyper actif, donc utilisez-le, apprenez à l'utiliser. On va voir comment, quelles sont les bases vraiment que vous allez pouvoir mettre en place dès demain. Parce que je pense que ce soir, vous allez dormir, pour apaiser voilà, toutes ces perturbations. Vous êtes un émetteur-récepteur d'informations à très haut débit. D'accord? Vous êtes tellement réceptif que vous recevez non seulement beaucoup d'informations, mais en plus à une vitesse, la vitesse de la lumière. Donc, j'aime bien comparer ça à du très haut débit parce que tout. Dans l'univers, quand on reprend un principe de la physique quantique, tout est information, tout vibre. D'accord? On ne va pas entrer dans les détails, mais la physique quantique, ça m'a donné aussi beaucoup de réponses qui m'ont beaucoup rassurée. Donc voilà, ça peut être un partage que je peux vous faire sur la physique quantique, une voie possible pour. Vous découvrir vous-même et découvrir l'univers.
Donc, vous êtes un émetteur-récepteur. Vous avez la capacité d'emmagasiner, de trier, de gérer beaucoup plus d'informations en même temps et plus vite que d'autres individus. Ce qui veut dire que ce sont de multiples sources de stimulation pour vos sens, pour tous vos sens. Les cinq sens et, on va dire, le sixième sens, ou on peut plutôt parler de récepteurs énergétiques, on va dire, hein, sur les, dans les mondes plus subtils, émotionnels, déjà pour commencer, et puis à tout niveau de conscience. D'accord ? Donc, quand on est très stimulé, eh bien, on a une réponse. Et qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre une certaine forme de stress. Et on a juste envie de fuir ou de mourir. Voilà, c'est les réponses au stress ou à un danger. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir je parle pas d'être en discothèque, je parle juste d'avoir une musique et d'avoir une hypersensibilité, mais pourtant le volume est normal, mais vous entendez plus fort que tout le monde à un certain moment. En fait, et c'est insupportable parce que ben, vous êtes peut-être plus à fleur de peau, peut-être que vous venez peut-être de vous réveiller ou quelque chose comme ça. Moi, ça m'arrive très souvent. Et je suis obligée de boucher mes oreilles. Hein? Ou ouais, d'être à fleur de peau, en fait. Donc, ben, vos émotions, toutes les peurs, ok. Tous vos muscles, hein, tout votre système nerveux, votre système hormonal, enfin, tous vos systèmes sont extrêmement sollicités. D'accord ? Donc, et puis aussi, vous avez possiblement parfois des sautes d'humeur à cause d'une hyperstimulation de votre système hormonal qui en fait répond. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça répond au stress aussi. Votre mental, on l'a vu tout à l'heure, peut être envahissant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance à avoir une petite voix qui, un petit vélo qui tourne dans la tête, comme quelqu'un qui bavarde là tout le temps, qui commente tout, absolument tout, c'est la voix de votre ego. Blablabla, et fais pas ci, et oui mais si tu fais ça, nanana, ah oui mais si, bref, qui bavarde tout le temps, c'est normal parce qu'il est hyper stimulé, donc il est hyper envahissant. Mais ça peut vous servir aussi, lorsque c'est bien canalisé, moi je suis constamment dans l'analyse du pourquoi, du comment, du parce que. Donc à un moment donné, j'ai dit stop, voilà, c'est bien, on va l'utiliser ça pour bien quand je vais devoir vraiment étudier quelque chose. Une stratégie de création, par exemple, ou quelque chose de vraiment précis, mais voilà, pas tout le temps. Un imaginaire très productif, on se fait des scénarios, mais alors, Hollywood aurait honte, tellement on se fait des films, mais vraiment des trucs, et on y croit à fond, mais ça paraît tellement réel parce que, eh bien, en plus d'avoir un imaginaire très créatif, peut-être vous savez déjà, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé, rêvé, et ce qui est réellement vécu. Pour lui, tout est réel. Donc, ça stimule, tout est stimulé tout le temps. Même quand vous pensez, vous vous stimulez vous-même. Donc, attention à vos pensées. D'accord ? Vous avez l'impression que la vie est intense, que tout est tellement intense, tellement. Voilà, vous avez l'impression, est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu et d'avoir mouru, pardon, d'être mort plein de fois dans cette vie-là ? On a vraiment l'impression d'avoir vécu 10 000 vies en une seule. Alors, c'est mon impression, j'ai complètement perdu la notion du temps. Tellement. Je suis passée dans
dans le monde, dans vitesse quantique, à un moment donné de ma vie. La difficulté majeure, évidemment, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le fonctionnement de la société, de la culture, de l'éducation ne sont absolument pas adaptés aux hypersensibles. Les hypersensibles et leurs conséquences, leurs conséquences, j'aurais pas dû mettre ça, mais les conséquences de votre hypersensibilité, de l'hypersensibilité, les effets, les réactions peuvent être considérées soit comme pathologiques, donc on a les hyperactifs, les déficits d'attention, les borderline, voilà, plein de choses comme ça, ou alors comme génial. Donc on a les hauts potentiels et tous, voilà, tous les génies qui ont aussi une certaine sensibilité, mais qui ont qui sont vraiment qui ont un fonctionnement qui fait que ils sont géniaux sur une chose, sur un domaine précis ou partout. Mais ni dans un cas ni dans un autre, on est considéré comme des personnes normales. On rentre pas dans les normes et tant mieux. La découverte de l'hypersensibilité, donc la notion d'hypersensibilité, c'est quand même quelque chose de très nouveau dans notre société. C'est pas du tout, c'est pas encore intégré. On sait que ça existe, mais c'est pas du tout intégré et on ne connaît absolument pas encore toutes les subtilités, hein, que ça peut avoir. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, seuls les hypersensibles entre eux peuvent se comprendre et c'est à eux, puisqu'ils ont une créativité si débordante, c'est à nous de créer ce nouveau paradigme, c'est-à-dire cette nouvelle façon de fonctionner ensemble, en commun, et d'adapter notre environnement à notre façon d'être, à nos besoins profonds. D'accord? Et aussi à nous faire comprendre et à communiquer, puisqu'on a ce don de communication. On doit apprendre à communiquer, eh bien, comment on est, ce que l'on ressent, avec des mots que l'autre peut comprendre, que l'autre, je dis l'autre, que les personnes qui ne fonctionnent pas comme nous peuvent comprendre. D'accord? Donc, ça peut les aider, eux, à comprendre notre fonctionnement. Et j'aime bien cette image que vous connaissez peut-être aussi. C'est notre système d'éducation. Avec la citation d'Albert Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. D'accord? Donc il y a le bonhomme qui dit, bon alors, pour être juste et égal, tout le monde va passer le même examen, vous devez grimper à cet arbre. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a un éléphant, un pingouin, un singe, un oiseau, un poisson dans un bocal, un phoque et un chien. Donc là, on sait qui va être intelligent dans le cas de grimper à l'arbre et qui va croire qu'il est idiot. Je pense que l'éléphant, le pingouin et le phoque auront du mal aussi, et le chien aussi. Donc, le potentiel d'une personne hypersensible, donc là, c'est un peu petit, mais de toute façon, ça, je vous l'enverrai dans les fiches que je vous ai préparées. Donc, en gros, vous avez un potentiel émotionnel, sensoriel, un esprit d'évasion imaginatif, intellectuel. Vous êtes curieux, vous avez des réflexions importantes sur tout. Vous aimez trouver des solutions car vous détestez le conflit. C'est bon, c'est bon signe, on en a besoin. Et aussi un potentiel physique. Et vous avez, vous aimez le mouvement, vous avez besoin peut-être de bouger, de voyager, vous avez peut-être du mal à rester en place. Voilà, ça dépendra vraiment de chaque personne. Donc, c'est tiré de textes venant de certains psychologues et psychothérapeutes. Donc, mais ça, je vous l'envoie dès demain avec avec la rediffusion, pardon, j'étais en train de lire en même temps. Expérience qui ne voit plus les mois passer. Moi, je ne vois plus les années. D'ailleurs, je ne sais même plus ce que c'est qu'une année. Avez-vous entendu parler des neurones miroirs?
Alors, les neurones miroirs, ça a été découvert. C'est pas la bonne diapo. C'est pas la bonne diapo. La bonne diapo, elle est là. En fait, j'ai confondu. Hop, les neurones miroirs. Hop, voilà, c'est là. Je peux liser aussi, c'était plus propre que ça. Les neurones miroirs, c'est une découverte très très récente qui date de 1990 du docteur Rizzolatti, un neuropsychologue italien. Alors, les neurones dans notre cerveau, nous avons des neurones. D'ailleurs, nous en avons ailleurs aussi que dans le cerveau. On va pas, ça demandera aussi de faire une autre conférence. On va faire un petit peu, on va entrer très légèrement, vous inquiétez pas, dans la neuroscience. Mais vous avez des neurones dans votre lobe frontal, en fait, qui s'activent lorsque vous prenez un objet, par exemple. D'accord, je prends mon verre. Et eh bien, si on mettait des capteurs, eh bien, on verrait que là, j'ai des neurones qui réagissent. Ce sont les, voilà. D'ailleurs, je vais boire un coup. Vous pouvez en faire autant. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est des neurones de commande moteur. Donc ça, c'est connu depuis plus de 50 ans. Par contre, de 50 ans. Par contre, eh bien, le docteur Rizzolatti a aussi a détecté une autre forme de neurones, les neurones miroirs ou je sais plus, y a un autre nom aussi pour les neurones miroirs qui réagissent, c'est-à-dire des neurones qui réagissent lorsque l'on observe quelqu'un faire quelque chose. Donc, si j'observe une personne qui prend un verre d'eau, eh bien, mes neurones dans mon lobe frontal, certains neurones vont réagir, vont s'activer aussi et vont envoyer un signal dans mes muscles, une information. En empathie, en fait, on va ressentir, on va être, entrer en empathie avec l'autre personne. D'accord? Comme si on avait vécu soi-même l'expérience. Mais après, on a des capteurs dans la peau qui renvoient un feedback au cerveau qui dit non, non, c'est pas toi qui as pris le verre, c'est toi. Tu viens de l'observer. Là, c'est voilà, ça remet les choses en place. Ok? Aussi, lorsqu'on observe, donc ça, c'est quand on observe quelqu'un faire quelque chose. Lorsqu'on observe une personne être touchée, eh bien là aussi, nos neurones miroirs s'activent. Lorsqu'une personne a mal ou se fait blesser, eh bien, nous aussi, on reçoit l'information de ce que l'effet de la blessure pourrait faire ou engendrer dans notre système musculaire et enfin, tout notre système nerveux aussi. Mais grâce au feedback, on dit non, non, ça va, tout va bien, c'est pas nous-mêmes qui avons été touchés. Mais on peut quand même ressentir, je sais pas si ça vous est arrivé, hein, enfin, c'est sûr même que vous voyez quelqu'un se faire, dans un film, hein, par exemple. Hier, je regardais Océan de feu, ben, voilà, le cheval s'était fait blesser, donc il y avait une lance qui le transperçait, et ça fait, voilà, ça provoque une réaction. D'accord? Bon, je ne dis pas que c'est une neurone miroir, mais je suis presque sûre, si on demande à un neurologue, ce qu'il en pense. D'accord? Pourquoi, en fait, ce sont ces neurones-là qui sont responsables de l'empathie. En fait, ça sert à quelque chose. Ça permet de transmettre la connaissance par mimétisme. D'accord? Donc, j'observe quelqu'un faire quelque chose, je l'observe. Moi, je sais que je fonctionne comme ça, c'est pour ça que j'apprends très vite. Je fais avec la personne et en fait, c'est comme si on faisait un transfert d'informations télépathiques. C'est un truc de fou. Je me suis dit, mais je reproduis les mêmes gestes vraiment
D'ailleurs, les enfants le font parfaitement. Et j'ai gardé cette capacité. Et je l'ai observé chez moi. Je me dis, mince, comment ça se fait que j'apprends si vite? Et tout le monde, tous les profs me disaient, mais comment ça se fait que tu apprends si vite? Et je me suis demandé moi-même, comment ça se fait? Et c'est en prenant connaissance de ces neurones miroirs que j'ai compris comment ça se faisait que j'apprenais si vite. Et en effet, j'avais vraiment l'impression de faire un copier-coller de la, on va dire, du comportement, de la, de ce que vivait la personne, de sa passion. Évidemment, une personne qui vous transmet avec passion va vous transmettre beaucoup plus d'informations qui vont être beaucoup mieux intégrées puisque ce sera fait dans la joie et la bonne humeur. Hein, c'est pour ça qu'on dit que la transmission d'informations, l'enseignement par le jeu, apprendre en jouant, c'est la meilleure façon d'apprendre ou d'intégrer une connaissance. Ce qui permet en fait, ça s'est développé parce que ça permet aussi une transmission de connaissances de façon quasi instantanée, ce qui explique qu'en fait une espèce animale, les animaux aussi ont des neurones miroirs, une espèce animale dans un coin du globe qui se sont jamais rencontrés. Et la même espèce, ben, des oiseaux, ben, on va prendre un exemple, hein, je ne sais pas si une fourmi d'Afrique, eh bien, découvre un fonctionnement ou quelque chose, voilà, qui peut faire, qui peut améliorer sa condition de vie de fourmi, eh bien, elle va transférer. L'information va être transférée à une fourmi qui se trouve en Asie. Donc vous êtes d'accord qu'elles n'ont aucun lien de sang, aucun lien non plus de relation, mais par contre elles se sont transférées l'information. D'accord? Vous connaissez aussi peut-être l'histoire du centième singe. On va pas rester là-dessus, mais partant de ce principe, en fait, ça permet de transmettre une transmission de connaissances entre les membres d'une espèce pour son évolution. Donc, ce qui veut dire que en faisant un cerveau collectif de personnes, eh bien, alors j'aime pas le mot intelligent parce que ça se réfère toujours uniquement à l'intelligence intellectuelle et non pas voilà tout le reste. Des personnes qui sont beaucoup plus dans l'évolution, l'humanisme, des personnes qui ont des valeurs vraiment qui correspondent à, on va dire, au nouveau paradigme, à notre idéal d'harmonie, de paix, d'amour et de joie, qui n'est absolument pas une utopie. Eh bien, ces personnes se réunissent, eh bien, à chaque fois qu'elles vont découvrir un fonctionnement, quelque chose, et cela va se transmettre. En plus de ça, viennent s'ajouter les moyens de communication actuels qui sont hallucinants. Donc, la transmission d'informations, elle est multipliée par XXX. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les neurones miroirs, je vous conseille la vidéo TEDx de V.S. Ramachandran qui est ici. D'accord? Voilà. Il veut dire que bien, vous pouvez aussi être influencé, bien entendu, par les personnes qui vous entourent. Donc, inspirez-vous, entourez-vous de personnes inspirantes ou essayez de voir le plus souvent possible des personnes inspirantes, par exemple, qui ont déjà atteint des objectifs ou fait des choses que vous aimeriez beaucoup faire ou développer une capacité que vous aimeriez développer chez vous. Hein? Comme ça, vous allez faire en fait comme un copier-coller des informations de la structure énergétique, comportementale, etc., cognitive, pour eh bien peu à peu copier. Hein. On dit copie pas sur le voisin, mais en fait copier sur les personnes inspirantes. Et vous allez peu à peu trouver vous-même des choses, vous allez les adapter à vous-même et en fait vous allez vous approprier. Le savoir, hein, c'est pas la peine de réinventer la roue à chaque fois. Le savoir est fait pour se transmettre. Et puis peu à peu, bien, en développant vos propres
capacités, vos recherches, bien vous allez créer vous-même votre, vos connexions neuronales et vous aurez la dextérité et la possibilité à votre tour bien de transmettre ce que vous avez trouvé. En partant de ce même principe, des neurones miroirs, à chaque fois que vous êtes exposé à une personne ou à une situation non harmonieuse, eh bien, vous copiez-collez aussi la carte énergétique, on va dire, puisque tout est information, tout est énergie. J'ai appelé ça la carte énergétique en vous. D'accord. Et vous vous retrouvez, c'est là où vous vous retrouvez avec les problèmes des autres, les émotions des autres, les conflits des autres. C'est un truc qui me fait halluciner. Parfois, j'ai l'impression de vivre les conflits en fait qui s'est passé dans ma famille il y a XXX. Parce que voilà, j'ai l'impression de faire du théâtre parfois. Et c'est un truc de fou. Mais en fait, ça peut s'expliquer. La solution, on va voir beaucoup plus de solutions après, des clés. Mais en gros, c'est faire souvent un reset de ces cartes énergétiques qui finalement ne sont que des informations qui ne vous appartiennent pas. D'accord ? Ça peut vous servir si vous en servez, par exemple. C'est très utile en tant que thérapeute de pouvoir en prendre empathie avec son patient, son client. Mais ensuite, il faut savoir évacuer ces énergies pour ne pas les garder en soi et ne pas développer tout ce que, tout le reste. Parce que ça peut aller très loin. D'ailleurs, alors là, je suis incapable de vous dire la source. C'est là, on parle aussi déjà de transmission par le sang, mais par effet de miroir aussi, il y a des transmissions aussi de maladies génétiques. Donc, elles sont transmises bien entendu par le sang, mais aussi parce que tous les membres de la famille ne développent pas la maladie génétique d'un papa ou d'une maman ou d'une grand-mère ou d'un oncle. Certains membres, oui, d'autres non, et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ce serait dû à cette histoire de d'être exposé, de prendre l'information pour soi ou pas. Bref, restez là-dessus. Solution, reset et revenir à votre centre qui contient votre propre carte énergétique d'origine. Et c'est là que l'on parle de connexion à son âme et de connexion à sa source divine. Parce que, eh bien, c'est votre carte énergétique pure d'origine. Hein, donc, elle a des mémoires et des choses, bien sûr. Donc, on va aller encore plus haut, on va aller à la source faire un reset. Les infos qui vous sont transmises sont verticales, on l'a vu, donc par vos ancêtres, donc par le sang, mémoire transgénérationnelle, et horizontale par votre environnement social interdimensionnel. Vous êtes aussi, et je suis sûre que vous l'avez déjà intuitivement pensé, vous êtes relié à l'inconscient collectif, aux mémoires de l'inconscient collectif, aux conflits de l'inconscient collectif, aux problèmes de l'inconscient collectif, mais aussi au génie de l'inconscient collectif. Vous êtes aussi relié à vos mémoires de vie passée, pour les personnes qui croient en la réincarnation, pour moi c'est une évidence, personnellement, ça n'engage que moi, l'information venant du monde subtil, pour les personnes qui sont connectées au monde subtil, aux autres dimensions, pour les personnes, voilà. Voilà, donc c'est un apprentissage, c'est une transmission, on va dire, d'informations multidimensionnelles. Enfin, les clés pour gérer vos énergies. Principe de base, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc vous êtes capable de ressentir, ça on l'a vu tout à l'heure. Voilà, la qualité, vous ressentez les émotions des autres et autres informations, vous pouvez aussi aller beaucoup plus, ça dépend de la fréquence sur laquelle vous vous connectez, vous ressentez la qualité vibratoire d'un lieu, vous pouvez percevoir le futur créé à partir des informations reçues du présent et du passé. En fait, vous avez cette capacité
Et je suis sûre que vous avez eu des déjà-vus ou des projections comme ça d'un futur éventuel. Donc faire un va-et-vient dans le temps, très, comme ça, très rapidement. De ressentir évidemment les présences d'autres dimensions, etc. Comment? Eh bien déjà, il faut apprendre à mieux gérer toutes ces informations et sous toutes ces formes. Vous allez commencer à trier les informations stockées en vous et les recycler. Vous libérez de vos fausses croyances, des perceptions et des mémoires obsolètes. Vous allez essayer d'adapter votre environnement au mieux pour donner, recevoir les informations énergie qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de vous épanouir. Hein? Et essayez autant que possible, eh bien, de définir, enfin, de détecter un environnement qui serait inadapté à vous, les relations qui seraient inadaptées à vous, et oser aller vers ce qui est fait pour vous. Et arrêter de subir. Là, ça demande un grand courage, beaucoup d'amour de soi et de reconnecter avec votre puissance intérieure que vous avez, même si la vie, la société, l'éducation, le conditionnement, et à essayer de vous en couper, elle est là. Et d'ailleurs, parfois, on pète un câble tellement on a accumulé, mais la colère est une force qui permet aussi de bouger quand elle est exprimée, utilisée. C'est une petite parenthèse. Autre chose, surtout très important, faire circuler l'énergie. Faire circuler l'énergie. Ah, dans les fiches, hein, je vous donne des exercices pour faire circuler l'énergie. D'accord? Revitaliser les zones mortes, c'est-à-dire les endroits en vous qui ont été anesthésiés. Vous exprimer librement, ça peut être par le geste, par la voix, par vous exprimer, c'est primordial. Vous avez accumulé, voyez ce sens de recevoir. Vous devez transformer, exprimer, donner, d'accord? Transmettre et recevoir, donc vous connecter à de belles énergies et transmettre l'amour, par exemple, ou transmettre des choses, ou une expérience, raconter une histoire, tout ça, c'est transmettre. Par exemple, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai remarqué ça, ben c'est issu de ma propre expérience et un petit peu du partage que j'ai eu avec d'autres personnes. Une personne qui était magnétiseuse, qui avait beaucoup de magnétisme, m'expliquait un jour que qu'elle était en vacances ou qu'elle n'ouvrait pas son cabinet, elle ressentait le besoin vital de transmettre cette énergie. Donc elle le transmettait à la Terre. Voilà. Comme elle avait cette capacité d'emmagasiner beaucoup d'énergie, de magnétisme, elle devait le transmettre parce que sinon, elle avait remarqué que sinon ça lui donnait des maux de tête pas possibles. Elle se sentait super mal et ça n'allait pas du tout. Alors que c'était un excès en fait d'énergie. J'ai remarqué ça aussi. À chaque fois que je suis sur le point de faire un passage d'âme ou de transmettre un cours très spécifique sur l'énergétique, ou je suis sur le point de faire un transfert d'énergie, un Reiki ou un soin Reiki ou un soin énergétique, eh bien, je ressens un malaise profond. Ou quand je vais me connecter, ou avant de me connecter, bon là c'est un petit peu autre chose, avant de me connecter à l'égrégore d'un groupe, à l'inconscient collectif du groupe, d'un groupe. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire circuler votre énergie. Adopter une discipline énergétique, c'est-à-dire une hygiène énergétique, comme vous prenez votre douche tous les jours avec de l'eau.
Eh bien, en conscience, vous avez peut-être imaginé que l'eau qui coule sur vous emmène des énergies qui ne vous servent plus, qui n'ont plus à être là, et les renvoie vers la terre. D'accord? Vous se libérez évidemment des habitudes toxiques à tout niveau, une alimentation adaptée à votre propre métabolisme, des attitudes intérieures saines, et c'est là que j'aime dire attention, parce qu'on dit oui à les habitudes toxiques, par exemple de prendre des substances toxiques, de la drogue, ou même des trucs chimiques, des produits chimiques dans l'alimentation, une certaine forme alimentaire, c'est toxique, oui. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement toxique aussi, c'est l'auto-sabotage, les pensées négatives envers soi-même. Ça, c'est hyper toxique, surtout qu'elles sont récurrentes. D'accord? À chaque fois que vous allez vous interdire, vous freiner, vous saper, vous réprimer surtout vos émotions, ne pas les accepter, dire non, 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 là je dois contrôler, il ne faut pas que je me mette en colère, il ne faut pas que je me mette en colère, vous ravalez votre colère, c'est hyper toxique. D'accord? Donc pensez à ça aussi. Et adoptez une attitude zen et amoureuse avec vous-même. C'est très important. Alors nous allons venir maintenant à l'histoire des protections. Est-ce qu'il est nécessaire de se protéger? Et là, en fait, c'est quelque chose que j'avais aussi beaucoup recherché, beaucoup, j'ai tout essayé en protection. Les talismans, les trucs et les machins. Et en fait, grâce à ma découverte, ma révélation du passage d'âme, eh bien, j'ai découvert que la meilleure protection, en fait, c'était de retrouver son essence et de rayonner. Donc, d'avoir un taux vibratoire élevé. Pourquoi? Parce que lorsque vous rayonnez, lorsque vous avez votre taux vibratoire élevé, les énergies négatives ne vont pas pouvoir à un moment donné traverser. Ça va de toute façon vous protéger naturellement. Si par contre vous adoptez l'attitude de vous protéger, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur? C'est que vous avez l'attitude de la personne qui peut se faire attaquer. Donc vous doutez de vous-même. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, je sais, mais ça provoque en fait on va dire c'est logique, si vous regardez bien. Si vous adoptez cette attitude de vouloir vous protéger, c'est que vous n'avez pas confiance en votre pouvoir personnel, en votre rayonnement, en votre lumière, en qui vous êtes. Quelque part, vous reniez un peu qui vous êtes, un peu beaucoup même, parce que vous êtes de lumière, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des êtres hyper puissants, et que ben, vous êtes tellement loin de votre. Alors, je dis pas qu'il faut pas se protéger, hein. Je dis juste que la meilleure protection, c'est de pouvoir élever votre taux vibratoire. On va voir juste après les quatre piliers pour élever votre taux vibratoire. Et puis avant, bien évidemment, vous pouvez adopter des protections en appelant vos guides, en demandant à vos guides, ou en faisant de toute façon, des protections, vous trouverez sur YouTube, c'est sûr, toutes sortes de protections, de pentacles, de talismans, et ça marche jusqu'à un certain niveau, puisque ça fonctionne uniquement au niveau mental et égotique, mais à un certain niveau de fréquence, il n'y a plus besoin de protection, puisque vous êtes passé au-dessus. D'accord? Donc, j'espère que ça, c'est bien compris. Préférez travailler sur votre taux vibratoire, à élever votre taux vibratoire, que à chercher absolument des protections, parce qu'en faisant ça, vous allez déjà reprendre votre pouvoir ou dire, ah, d'accord, donc si je peux faire ça, donc je vais rayonner, donc ma lumière, eh bien,
Elle va servir à, de toute façon, transmuter l'ombre de façon naturelle. Et là, eh bien, vous allez pouvoir développer de plus en plus votre lumière. Et c'est ça, ça veut dire, la dernière fois, j'ai fait un Facebook Live là-dessus, incarner sa lumière dans la matière, ça veut dire ça. D'accord ? C'est vraiment prendre cette attitude, ici et maintenant, et de vraiment être en confiance, sur de bonnes bases. Donc, pour vraiment augmenter votre taux vibratoire, l'ancrage, c'est la base de tout. Vous avez absolument besoin de vous ancrer. Donc, dans les fiches, je vous propose un ancrage, des exercices d'ancrage, relation, de réunification corps et âme de toutes les parts de vous, et ça vous permet vraiment d'avoir une stabilité. Parce que, eh bien, même si vous avez une super connexion avec les êtres de lumière, avec toute la panoplie et tous les mondes invisibles, si vous n'avez pas de racines, ben vous êtes en fait pris par les branches comme un arbre. Hein, par les branches, imaginez qu'il y a un arbre qui est suspendu par les branches, qui n'a pas de racines, au moindre coup de vent, même s'il y a une super connexion, des super branches super partout, ben, il se fait balancer. Donc il n'y a pas de stabilité et en fait ce qui se passe, les effets, les symptômes, les réactions sont le ressenti est absolument atroce, alors que si l'on est bien enraciné, même si on n'a pas beaucoup de toute façon, pour développer vos capacités extrasensorielles, pour ceux qui veulent vraiment développer cette part d'eux-mêmes, vous avez de toute façon besoin d'avoir des racines. Plus vous descendez profondément dans vos racines, plus vous pourrez monter. D'accord ? Sinon, vous ne pourrez pas. D'accord ? Et l'ancrage. Il y a plein de façons de s'ancrer. Un travail sur soi, finalement, pour discerner, se connaître, s'accepter, s'aimer. Puisque quand on ne s'aime pas, le taux d'énergie, il chute. D'accord ? Travaillez vraiment votre amour, votre estime de vous-même. Vous êtes extraordinaire et si vous ne le savez pas, vous demandez à des personnes qui vous aiment et vous vous nourrissez en fait de ça. Voilà. Mais vraiment, faites un effort. vous pouvez vraiment vous sentir bien avec vous-même, vraiment. Peu importe ce que vous avez fait, pas fait, dit, pas dit. Vous êtes vivant, vous êtes né, vous êtes là, vous êtes légitime, vous avez le droit d'être bien dans votre peau, c'est un devoir. Et vous sentir vivant, vibrant, joyeux. Ouais. L'hygiène énergétique, évidemment, à la douche tous les jours, douche énergétique, et rayonner. Incarner votre essence dans la matière, vivre en cohérence avec vos besoins à tout niveau, adapter votre environnement, etc. Exactement, Alain B. 95, je suis la meilleure protection. Et voilà, j'ai fait des bêtises et toutes les fenêtres se sont allumées. Donc, j'espère que ça va. Il est déjà 9h30 et je vais passer à... Je vous propose de boire un coup et je vous propose une très courte méditation pour retrouver le calme intérieur, pour retrouver le centre que vous pouvez vraiment faire tous les jours. C'est pour ça que je voulais la faire courte, que ce soit adaptable à votre emploi du temps et que votre ego bavard ne vous dise pas « Oui, mais t'as pas le temps de faire ce genre de truc, concentre-toi sur ton travail ou autre chose. » Prenez du temps pour vous. Donc, est-ce que vous êtes prêts, toutes et prêts? Merci Marie-Christine. Ouais, je me transforme en je sais pas quoi. Puis j'avance. j'avance. Ben oui, plus je transmets en fait et plus je reçois. C'est un truc.
C'est logique en fait. C'est pour ça que je vais vous inviter après à vraiment le plus possible, eh bien, retrouver votre pouvoir, déjà, vous libérer de tout ce qui vous freine pour accéder à ce pouvoir intérieur et le transmettre. Transmettre votre amour, transmettre des choses, n'importe quoi, mais transmettre. Allez. On se centre. Première chose, je vous propose de mettre vos deux pieds bien à plat sur le sol, de mettre vos deux mains sur sur vos cuisses, hein, vous êtes assis normalement, de ressentir bien, bah, de rajuster un petit peu votre assise pour bien être assis sur vos deux fesses, pas sur le bord de la chaise, mais bien, bien assis. Si possible, avec vos pieds qui touchent le sol. Redresser sans tension, élancer, on va dire plutôt la colonne vertébrale. Donc, ce n'est pas la peine de tendre comme ça au garde à vous, non. On élance tout simplement, on redresse, hop, comme s'il y avait un petit fil qui nous tirait comme ça, tout gentiment, vers le haut. Rien que cette posture, ça fait du bien. La posture physique peut aussi faire augmenter ou diminuer la circulation de votre énergie. Si vous vous tenez comme ça, bah, ça va être bloqué, hein? Et si vous tenez comme ça, essayez de déprimer en marchant comme ça dans la rue. Je doute fort que ça puisse venir. Ou d'avoir le sourire comme ça. De respirer profondément et d'avoir une pensée négative. C'est pas possible. Ça va pas en fait, ensemble. Bon, allez, je me tais. On y va pour la méditation. Vous pouvez fermer les yeux. Et prendre trois grandes respirations profondes. Et vous laisser bercer par votre propre respiration. Alors, inspirez. Expirez. Continuez à inspirer. Expirez. Et plus vous inspirez, plus vous vous remplissez d'énergie. Et plus vous expirez, plus vous libérez vos tensions. À tout niveau. Et vous inspirez. Et vous expirez. Et vous vous installez dans ce va-et-vient. Peut-être même que vous pouvez vous imaginer que le bruit, le son de votre respiration, c'est comme le va-et-vient des vagues sur une plage. Et vous pouvez même vous connecter à l'énergie de la mer, des océans. Voilà. Très bien. Ressentez le va-et-vient de l'air qui entre et qui sort. Et plus vous respirez, plus toutes les tensions s'apaisent au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel. Et pendant ce temps-là, vous continuez à respirer, vous allez venir porter votre attention sur vos pieds, sur la plante de vos pieds. Vous allez ressentir le contact de vos pieds sur le sol, peut-être distinguer la température, les endroits où vos pieds appuient ou ils n'appuient pas, juste en regardant intérieurement, en percevant
physiquement. Et puis vous allez venir doucement, avec votre regard intérieur, remonter le long de vos membres. Vous pouvez remonter le long de vos chevilles. Peut-être faire venir une couleur qui va entourer votre corps au fur et à mesure que vous l'observez de l'intérieur, qui va venir passer un baume apaisant. Voilà, aussi bien autour qu'à l'intérieur de vos cellules. Comme ça, vous vous habillez avec une lumière de la couleur que vous souhaitez et qui va remonter au niveau des mollets, au niveau des genoux, devant, derrière, à l'intérieur, jusqu'à la moindre particule qui va remonter dans vos cuisses. Il va remonter ensuite et s'installer dans votre bassin, partout. Très bien. Et vous allez remonter derrière, au niveau du sacrum, au niveau du bas du dos, des lombaires, puis au milieu du dos, et venir caresser aussi bien votre colonne vertébrale, les petits muscles qui sont autour, jusque sur les côtés, toutes les structures physiques, les nerfs, les cellules de vos muscles, vos os, votre moelle, la moelle des os, votre moelle épinière, bien sûr, la moindre particule. Le cœur de chaque cellule. Vous allez remonter maintenant au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates, en prenant du plaisir à faire circuler cette énergie, cette couleur, cette lumière que vous avez choisie et qui est complètement adaptée à qui vous êtes. Et maintenant, vous remontez au niveau du cou. Et vous sentez comme c'est bon de vous laisser infuser par cette lumière. Parce que plus cette lumière vous caresse, plus elle va apaiser, régénérer, nettoyer, mettre un baume d'amour là où il y en a besoin. Et je vous invite maintenant à venir au niveau des épaules, du dessus des épaules, et à descendre le long de vos bras, de vos coudes, vos avant-bras, dessus des mains, le dessous des mains, les paumes. Et vous allez maintenant venir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos deux mains au niveau du nombril, l'une à côté de l'autre, sur votre ventre. Et vous allez maintenant remonter depuis le pubis, puis faire venir cette énergie au niveau du ventre. Pour caresser vos intestins, vos organes internes, tout votre système lymphatique également, revenir aussi un peu plus haut au niveau du chakra, du plexus solaire, au centre, autour, au niveau des côtes, puis au niveau du cœur. Aussi bien au niveau du centre cardiaque, au niveau des,
de la poitrine, les pectoraux, au niveau des poumons, jusqu'au cœur, jusque sur les côtés. Et vous allez remonter au niveau de la gorge, du thymus. Et en profiter pour vous souvenir que vous êtes en train de respirer en conscience. Et plus vous respirez en conscience, plus cette énergie augmente. Et vous allez venir maintenant au niveau de votre visage, votre menton, votre visage, et remonter encore. Puis venir au niveau des oreilles. Avec votre regard intérieur ou avec vos mains, si vous avez envie de parcourir cette énergie, avec les mains. Puis, vous allez venir au niveau du crâne et déposer votre regard sur votre chakra couronne qui se trouve au sommet de votre crâne. Comme la fontanelle des bébés. Vous avez aussi une fontanelle énergétique qui n'est pas fermée, qui est ouverte. Très bien, et baignez un instant dans votre énergie. Vous allez faire une photographie, mémoriser cet état énergétique pour vous en souvenir après. Et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir vous ancrer à la terre et vous connecter au ciel. Vous pouvez dire à haute voix ou en vous, j'active mon chakra étoile de la terre maintenant. J'active mon chakra étoile de la terre maintenant. Et observez ce qui se passe. Peut-être des sensations physiques. Peut-être des images, de la température, un ressenti, une pensée, une émotion. Observez. Ce chakra étoile de la Terre vous permet de vous ancrer. Et je demande à ce que votre chakra, étoile de la terre, soit relié directement au cœur de la terre-mère, maintenant. Observez ce qui se passe. Très bien. Maintenant, cette connexion, cet ancrage, cet enracinement se renforce de plus en plus. Pendant que votre ancrage, votre enracinement se renforce, je vous invite à venir de nouveau en conscience au niveau du sommet de votre crâne et à dire: j'active mon chakra étoile de l'âme maintenant. Vous pouvez dire à voix haute ou à l'intérieur de vous: j'active mon chakra étoile de l'âme maintenant. Et observez ce qui se passe. Respirez toujours
le chakra étoile de l'âme vous permet de vous relier au ciel, aux énergies célestes. Et d'ouvrir votre canal de lumière, de le relier aux énergies célestes. Et je vais demander à ce que le chakra étoile de l'âme de chaque personne présente se relie au cœur du ciel Père maintenant pour l'expérience. Observez ce qui se passe. Respirez toujours. Très bien. Maintenant, vous êtes relié. Vous êtes en fait, vous pouvez même visualiser ou essayer de ressentir que vous êtes au cœur d'une grande colonne de lumière qui part du centre de la Terre, qui vous entoure et qui part vers le ciel Père. Énergie maternelle, énergie féminine de la Terre, énergie paternelle, énergie masculine du ciel. Et votre connexion permet à ces deux énergies de circuler, de se rencontrer. En vous. Et vous allez pouvoir porter votre attention sur votre centre cardiaque. Respirez bien pour libérer s'il y a des tensions. N'essayez pas de provoquer le ressenti, mais juste d'observer ce qui se passe. Maintenant, vous allez ressentir, vous allez peut-être percevoir ou visualiser que vous êtes assis au cœur de votre cœur, tranquillement, installé, confortablement, et vous respirez. Pendant qu'une part de votre conscience s'installe au cœur de votre cœur, vous allez venir dans votre ventre. Si cela vous aide, vous pouvez mettre vos mains sur le ventre. Et vous allez installer votre regard intérieur au cœur de votre ventre. Derrière le nombril, au niveau du nombril, donc pas au niveau du deuxième chakra, mais bien au niveau du nombril, et on va dire 2-3 cm derrière, et vous installez ici. Si par exemple vous avez eu des tensions depuis le début, si vous avez tendance à avoir tendu vos épaules, pensez à les redétendre. La mâchoire également. Et si cela vous aide, eh bien, installez un sourire dans votre ventre, derrière votre nombril. Et cette circulation de l'énergie terre, de l'énergie ciel, viennent se poser, se déposer à cet endroit, au cœur de votre ventre. Et
Pendant ce temps-là, vous allez revenir sur vos pieds avec le regard intérieur posé sur vos pieds. Et vous allez tenter de maintenir ce regard intérieur sur vos pieds. Peut-être sur un point au milieu entre vos deux pieds physiques ou sur le centre physique de chaque pied sous la plante des pieds. Ce que vous préférez. Pour d'autres, ce sera plutôt le dessus des pieds. Mais portez votre attention sur vos pieds. Et là, pendant que vous portez votre attention sur vos pieds, l'énergie du ciel, l'énergie de la terre, viennent se déposer à cet endroit. Je vous invite pour l'expérience de revenir un instant au niveau du cœur. La conscience au niveau du cœur. Tranquillement, sans tension. Faites une carte, une photographie de votre état maintenant, lorsque vous êtes avec votre conscience au niveau du cœur. Très bien. Maintenant, vous venez au niveau de votre ventre, au cœur de votre ventre, derrière le nombril. Vous installez votre conscience ici. Respirez. Peut-être que vous respirez par le ventre, ça vous aide. Très bien. Vous faites une carte. Une photo énergétique de votre état, une photo de votre état d'être lorsque vous portez votre conscience, votre attention sur votre ventre. Vous pourrez après le comparer par rapport à comment c'était lorsque vous portiez votre attention sur le cœur. Maintenant, comment c'est lorsque vous portez votre attention sur le ventre. Très bien, et maintenant la même chose, on va venir porter la conscience sur vos pieds. Vous allez venir porter votre conscience sur vos pieds, votre regard intérieur sur vos pieds. Vous installez. Et pareil, vous photographiez votre état d'être lorsque vous portez votre conscience sur les pieds. Respirez bien. Très bien, voilà. Et les quatre photos que vous avez prises pendant cette expérimentation, vous allez les garder en mémoire. Maintenant, vous allez pouvoir prendre une respiration normale, commencer à bouger les membres. Voilà, petit à petit, les extrémités, vous pouvez commencer à bouger, à vous étirer, à bâiller. Mais quand vous le sentez, vous ouvrez les yeux. Et là aussi, je vous invite à faire une photo de votre état intérieur lorsque vous avez fait cet exercice et lorsque vous ouvrez les yeux. Donc ça fait 5 photos en tout.
Elle va dire dans le chat. Comment ça va? Prenez le temps de revenir, de boire. Pendant que vous marquez dans le chat, je reviens tout de suite. Je vais me... Ah, ça fait du bien. Hein? Comment vous vous sentez? Paix intérieure, cinq photos à la fin. Très bien. Donc ces cinq photos, c'est vraiment pour vous permettre de discerner les différents états énergétiques, pour voir comment vous est facile finalement de, ben, de revenir à ces états de sérénité, parce que je ne pense pas que vous soyez énervé maintenant. Une douce pression au niveau du chakra couronne. Alors, c'est possible que ce soit à partir de maintenant et dans les jours qui viennent, même peut-être pendant une semaine, il y a des choses qui soient remuées. Donc, surtout, buvez beaucoup d'eau. D'accord? Et voilà. Donc, ça, c'était vraiment une... Vous aurez la rediffusion demain, bien entendu. C'est quelque chose que vous pourrez refaire. Ok? Et voilà, c'était vraiment très court, mais je vous invite, même si vous ne faites pas toute la préparation des connexions, l'activation du chakra, etc., des chakras et tout, ni le passage du baume au début, vous pouvez juste, quand vous n'êtes pas bien dans la journée ou que vous sentez que vous êtes un peu trop chahuté par les énergies, revenir en conscience, vous respirez, portez votre attention, ben, quand c'est comme ça, vous êtes plutôt dans la tête. Et donc, vous faites descendre votre conscience de plus en plus bas, la portez au cœur, vous référencez aux photographies que vous avez prises pour ben, recopier, refaire un copier-coller de la cartographie énergétique que vous avez. Faites dans cet état-là. Et puis vous faites descendre dans votre ventre, et puis vous portez votre attention et surtout votre conscience sur les pieds. Conscience portée sur les pieds, ça permet vraiment de revenir à la présence de vous-même, quel que soit ce qui se passe autour de vous, ça vous donne une grande stabilité. Si ça ne suffit pas en visualisation, vous le faites en mouvement, le tai chi, etc. Vous pouvez juste, pas vous faire là, mais voilà, vous mettre debout les deux bien, les pieds bien à plat, puis vous mettez comme un, vous pliez un petit peu vos genoux, vous écartez les jambes et vous faites comme, voilà. Comme vous voyez les images des personnes qui font du tai chi, hein, voilà, qui se, très classique. Et voilà. Clémence qui a enfin
qui a enfin atterri, super. Excellent. Bon, et ben voilà, donc Ah oui, ben j'ai oublié de vous dire le plus important. Vous avez compris, bon, pour résumer, bien sûr, vous êtes très chahuté par les énergies. Vous avez vu que vous étiez quelqu'un de tout à fait normal, mais pas normal, selon le fonctionnement d'autres personnes. Mais vous avez un fonctionnement qui vous est propre. Ce fonctionnement n'est pas encore très connu dans la société puisque vous n'êtes que 20% des pères sensibles et empathes. Donc, il va falloir apprendre vous-même avec d'autres personnes qui ont déjà avancé. Et pour les personnes qui ressentent l'appel du cœur de vraiment utiliser cette sensibilité qu'ils ressentent, qui ont envie d'apporter de l'amour, de l'énergie, de la thérapie, de faire des soins thérapeutiques, etc. Ou de simplement être en connexion avec d'autres mondes, développer votre intuition, vos capacités extrasensorielles, vos capacités de médiumnité pour les plus avancés, votre capacité à canaliser. Eh bien, tout ceci est un partage d'énergie à très très haut débit et qui non seulement vous rend service à vous, qui va augmenter votre rayonnement et qui va vraiment rendre service au vivant. Donc, vous allez être entré dans un cercle virtueux, hein, et vous allez vraiment venir transformer à augmenter votre énergie, votre taux vibratoire de plus en plus, ascensionner, en incarnant. Plus vous faites descendre votre lumière en vous, c'est-à-dire la connaissance de vous-même, la lumière c'est la connaissance aussi, hein, de soi-même, l'accueil de qui vous êtes vraiment, que vous allez agir vraiment en écoutant votre appel intérieur, votre élan intérieur. Tout ceci, eh bien, peut-être que vous avez besoin de le réapprendre puisque hein, on a été complètement anesthésié, coupé. C'est là, peut-être, mais c'est latent. Et il y a peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Eh bien, si les pères, je voyais tout à l'heure des personnes Je voyais tout à l'heure des commentaires de personnes qui me parlaient de comment j'étais au sommet de l'abondance avec Caroline. C'était il y a 3 ans. C'était vraiment mes premiers pas. Et tout le chemin parcouru, en fait, et qui ont pu voir la transformation intérieure, eh bien, c'est parce que j'ai mis en application. Hein, j'avais commencé avec le sommet de l'abondance, même un petit peu avant, 6 mois avant. En osant révéler, justement, en osant transmettre les outils du passage d'âme, quelque chose que je faisais depuis toujours, mais que j'avais jamais transmis, parce que je l'avais jamais accepté, j'avais jamais compris que c'était ça qui m'arrivait. Et en fait, et à chaque fois, eh bien, j'avance depuis 3 ans maintenant, 2015. Ouais, 3 ans. Je me suis mis au service vraiment de façon beaucoup plus grande, parce qu'avant j'étais thérapeute, mais en cabinet, donc on touche pas beaucoup de gens. Plus j'influence des gens, plus je touche des personnes. C'est pour ça qu'Internet c'est génial, mais aussi du présentiel. Plus je permets aux personnes bien de grandir, de se trouver, pardon, de se connecter à leur pouvoir personnel. Plus moi, eh bien, j'augmente le mien. Donc en fait, on se rend service. Et vous aussi, eh bien, vous pouvez faire ça. Si vous le souhaitez, je vais ouvrir une nouvelle formation. C'est pas une formation classique, hein. C'est quelque chose de très très particulier. Donc pour le contenu de la conférence, on en a terminé. Pour les personnes qui souhaite partir ou voir la rediffusion demain pour la suite, vous pouvez la voir demain. Là, je vais vous expliquer en fait
ce que j'ai mis en place, parce que j'ai besoin maintenant, j'ai eu l'information comme quoi, eh bien, il fallait maintenant que je transmette tout ce que je savais. Donc, je vais le faire. merci beaucoup, Marie-Christine. Et alors, pour cela, je vais vous proposer de, dans un instant, cliquer sur un petit truc au-dessus, un petit bitonio qui va venir. Pour les personnes qui sentent vraiment l'appel. Oups. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà. Vous voyez toujours, ouais. Non, en fait, je me voyais deux fois. C'était bizarre. bon, je vais faire un partage d'écran. Hop. Et je pense que, comme j'ai encore beaucoup de choses à vous transmettre, que je vous proposerai une autre session, plus courte que ce soir, pour un partage et questions-réponses, et puis surtout pour savoir peut-être, d'ici 2-3 jours, comment vous avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé en vous pendant depuis ce soir. D'accord ? Je n'arrive pas à partager mon écran, c'est étrange. Comment cela se fait ? D'accord. Je vous transmettrai, je fais l'info en direct, je vous transmettrai le lien demain. Je vais juste faire un partage d'écran maintenant, en fait. C'est ça qui se passe. Donc, bonne soirée pour ceux qui partent. Merci infiniment de m'avoir suivi. Et maintenant, je vais présenter en fait le processus, un processus Marie qui m'est venu même avant le sommet de l'abondance et qui en fait était quelque chose qui était latent parce que je sentais au fond de moi que j'avais envie de transmettre comment révéler son essence divine. Voilà, c'était déjà là. Et vous voyez tout le chemin que j'ai dû parcourir pour maintenant pouvoir le transmettre. Donc, c'était long. C'est un grand chemin qui continue, bien entendu, parce que là, je passe à une autre phase. Et là, j'ai envie de vous transmettre tous les outils, tout ce que j'ai trouvé, même moi, dans mes propres expérimentations, dans mes propres perditions aussi, dans mes propres échecs, des choses que j'aurais pu éviter. Mais comme je suis têtue, eh bien, je fonce. donc, c'est vraiment adressé à des personnes qui sont déjà hypersensibles, empathes et intuitives. Pour retrouver vraiment vos capacités extraordinaires, parce que toutes vos capacités, vous êtes tous médium, channel, guérisseur, vous avez une capacité d'amour absolument immense. Et peut-être, comme on l'a vu, vous vivez une vie qui n'est pas du tout en cohésion avec qui vous êtes vraiment. Eh bien, en révélant déjà, en retrouvant votre connexion à qui vous êtes vraiment et en vous dépouillant, parce que c'est vraiment un dépouillement de tout ce qui vous encombre et de tout ce qui vous empêche au niveau le plus subtil, jusqu'au niveau le plus subtil. Donc, on va aller travailler vraiment dans les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, les blocages, bien sûr, les traumatismes de cette vie et des autres. Tout ceci, en fait, empêche votre réalisation hein, parce qu'elle vous empêche d'avoir accès à votre pouvoir personnel. D'accord ? Donc, je vais aller directement. Vous prendrez le temps de lire la page si ça vous intéresse hein, un autre moment donné. Mais ce que j'aimerais que vous imaginiez, c'est
quelle serait votre vie si vous aviez une baguette magique, d'un seul coup, que vous repreniez votre plein pouvoir, que vous puissiez vraiment incarner ce que vous déjà pressentez. Vous avez déjà l'intuition d'être beaucoup plus que vous êtes, beaucoup plus grand, mais vous n'arrivez pas à le manifester encore. Alors imaginez que ce soit le cas. Vous seriez vraiment libre, hein, de vivre votre vraie nature sans peur des critiques, sans peur du regard des autres. Vous serez libre de vous exprimer. Vous retrouveriez naturellement vos capacités extrasensorielles et vous sauriez comment vous en servir. Pourquoi? Parce que vous seriez guidé. Vous auriez votre propre guidance intérieure qui serait réactivée et vous saurez, votre connexion à votre canal de lumière totalement ouvert et vous recevrez les informations qui vous correspondent, dont vous avez besoin. Vous aurez cette fameuse télécommande pour choisir les chaînes et puis éteindre celles que vous ne voulez pas recevoir. Tous les poids, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous freinait dans votre avancée, cette sensation d'être, de ne pas pouvoir s'envoler parce qu'il y a un poids qui vous retient tout le temps à chaque fois que vous essayez de vous envoler ou alors une épée qui vous coupe les ailes à chaque fois que vous êtes waouh, eh bien ça n'existerait plus, ça disparaîtrait. Vous pourriez vraiment avoir la clarté d'esprit, toutes les informations dont vous avez besoin, toutes les synchronicités, tout serait fluide pour que vous puissiez créer une vie à votre image, une vie qui vous corresponde vraiment. Et vous, parce que vous rencontreriez aussi des âmes sœurs, des complices qui sont comme vous, qui vibrent sur la même fréquence. Et là, eh bien, vous vous sentiriez beaucoup moins seul parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul. L'être humain est vraiment fait pour être en communauté, et nous avons perdu cela malheureusement. Donc là, eh bien, vous retrouveriez vos communautés, votre communauté d'âme, ou votre famille d'âme, ou des âmes, peut-être d'autres familles d'âmes, mais avec qui vous entendez super bien, etc., etc. Et évidemment, la plénitude, la sérénité, la joie, l'abondance aussi, elle est là, l'abondance, la vitalité. S'intégrera naturellement à votre quotidien. D'accord? Donc, je vous parlais de Marie. Ah, Marie. Évidemment, hier, c'était l'Assomption. Donc, vous êtes baigné par les énergies mariales. Et Marie, en fait, j'ai choisi ce nom pour méthode d'activation et de réalignement intégral de l'être. Vous lirez tranquillement de quoi ça. Voilà. Comment j'ai. Voilà, qu'est-ce qui m'est venu, hein, qu'est-ce qui m'a inspiré. Mais en gros, vous êtes reconnecté complètement à la source, à votre source, hein, et à votre plein potentiel pour pouvoir vraiment, eh bien, être qui vous êtes. Comment ça va se passer? Je vous propose un parcours initiatique, un initiatique en ligne, hein, sur Internet. Alors, attention, là, c'est 17 semaines. 17 semaines, c'est-à-dire 4 mois. 4 mois avec moi toutes les semaines. Donc, ça va permettre de vous transmettre vraiment aussi bien mes connaissances théoriques, mais aussi de vous faire la transmission d'énergie dont vous avez besoin. Voilà. Si le fait est que vous choisissez d'être dans la formation, de suivre ce chemin initiatique, eh bien, c'est que, de toute façon, je vous en parle juste après, il y a auparavant, je n'ouvre pas cette formation à tout le monde, il y a auparavant, je fais sur dossier, en fait. Donc, on aura un entretien et tranquillement, on pourra choisir ensemble quelle est, si cette solution de choisir, de traverser, de vivre, d'expérimenter ce parcours initiatique est fait pour vous, ou si, eh bien, d'autres solutions beaucoup plus différentes, eh bien, sont plutôt adaptées à sur vos besoins de maintenant. Mon intention, c'est pas de vendre une formation. Mon intention, c'est vraiment de vous aider à révéler
votre plein potentiel, parce que ben, aujourd'hui ça urge. Quand on voit le désastre, on a besoin vraiment d'acteurs, d'activistes, de personnes qui sont ancrées avec leur plein pouvoir, leur capacité intuitive. Vous êtes en avance par rapport à votre perception et vous avez besoin de, eh bien, de vraiment savoir vous en servir pour la survie de l'humanité. Alors, ça peut paraître un peu grave, enfin, l'heure est grave, mais non, c'est juste. Ben voilà, pour notre évolution à tous en communauté et pour les personnes ben, qui sont de notre vibration, nous allons nous réunir et bien ensemble, nous pourrons mieux vivre si l'on se réunit, qu'on crée un cerveau collectif. Et ce cerveau collectif, il a besoin de piliers. Cette conscience collective que l'on idéalise peut-être parfois, elle est réelle, elle peut se faire, c'est très facile. Enfin, c'est très facile quand on se réunit avec les bonnes personnes. D'accord ? Mais avant ça, il faut vraiment revenir à soi et se reconnecter avec la bonne personne qui est vous-même. D'accord ? Vous dépouillez de tout ce qui n'est pas vous, tout ce que vous a fait croire, le conditionnement, etc., pour vraiment retrouver votre pleine essence et la faire jaillir. D'accord ? Donc, vous allez découvrir évidemment vos des capacités extrasensorielles. Je vous ai dit, c'est quelque chose de naturel. Vous reconnecterez à la source, à votre âme, à vos guides. Je ne l'ai pas mis ici, j'ai oublié, mais évidemment, vous retrouverez, vous reconnaîtrez le pourquoi exactement vous êtes sur Terre, quelle est votre raison d'être, la mission de vie, c'est quelque chose qui se choisit un peu plus facilement. La raison d'être, c'est vraiment au niveau beaucoup plus subtil. C'est pour ça que je préfère parler de raison d'être. Vous allez vraiment développer votre ressenti et surtout, il y a évidemment votre ancrage, votre intuition, votre discernement, et vous allez l'intégrer de façon pratico-pratique dans votre quotidien. D'accord ? On va vraiment faire des petits exercices rigolos. Pour voilà, dans votre quotidien, que vous puissiez avoir cette recherche, cette curiosité qui vous est naturelle, vraiment focalisée sur bien le développement, enfin, le développement, la retrouvaille, le mariage avec votre essence. D'accord ? Et voilà, augmenter votre rayonnement, activer votre canal de lumière, retrouver votre confiance. Vous verrez comment adopter l'attitude du maître intérieur pour devenir souverain et créateur de votre vie, retrouver l'unité, la paix, la joie d'être et vibrer jusqu'au cœur de votre ADN. En fait, à travers cette formation, physiquement, vous allez vraiment vous transformer. C'est-à-dire que la transmission d'énergie que vous allez vivre, que je vais vous faire, de connaissances que je, moi, Narissa, et tous vos guides, les anges et tout, ben, tous les êtres de lumière qui vont nous accompagner, parce qu'on ne va pas être seul, va vraiment transformer votre ADN. Hein, activer les brins, vous verrez ça en détail, qui sont inactifs, et puis eh ben, vraiment vous permettre physiquement dans la matière, je ne sais pas si vous avez eu des petit souci là dernièrement avec le portail énergétique, c'était un peu dur, d'accord ? Parce que, eh bien, imaginez, on a une structure énergétique et la Terre augmente sa vibration. La Terre est en train d'ascensionner, de changer de plan vibratoire. Nous aussi, seulement, eh bien, on a été tellement coupés de la Terre que, ben là, c'est un peu difficile et il y a des personnes, eh ben, qui pètent un câble, que ça ne va pas du tout. Parce que, imaginez, vous recevez du 10 000 volts alors que vous avez une structure physique qui ne peut supporter que du 120 volts, du 220 volts, mais ça ne peut pas passer les câbles, il crame. Donc, c'est pour ça que maintenant, tout ce que je fais, c'est que j'agis vraiment au cœur des cellules, au cœur, au cœur de l'ADN. D'accord ? Parce que moi-même, j'avais vécu il y a quelques années une réactivation de l'ADN.
caractéristiques de la formation, tout se passe en ligne et en direct, 17 semaines en direct, en sous forme de webinaire. Donc, je vous transmets toutes mes connaissances. Certains webinaires, vous allez pouvoir vous voir entre vous. Enfin, on va pouvoir se voir entre nous. Ça va être comme une réunion. C'est pour ça que je vais limiter l'accès à 25 personnes seulement. D'accord ? Donc, je vous accompagne pendant 4 mois. Je ne vais pas vous faire le truc qu'on fait à chaque fois là, mais que les marketeurs le font pour vendre leur formation. Ce que je vous dis, c'est que je ne veux pas vendre ma formation. Je veux juste que les personnes qui ressentent l'appel de suivre ce chemin initiatique puissent venir le faire. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, lorsque je suis en coaching, comme tout thérapeute, coach ou énergéticien, en moyenne, ça peut varier de 50, ça peut varier aussi jusqu'à 180, 200 euros de l'heure. Mon heure, elle est à 80 euros. Sachant que chaque session va durer au minimum 2 heures. Quand je dis 2 heures, vous voyez, on a déjà dépassé. Donc, mes 2 heures à moi sont très larges. Si on calcule 17 sessions à 2 heures à 80 euros de l'heure, ça fait 2720 euros. C'est le tarif, c'est pas le tarif, c'est la valeur de la formation. Donc vous voyez, c'est pas du blabla, c'est vraiment concret. Et elle vaut 2720 euros. J'ajuste évidemment le tarif de la formation à 997, parce que hors de question, vous payez ce prix-là. Il n'y a que 25 places. Et vous bénéficiez du tarif préinscription au 30 août que je vous laisse découvrir en cliquant sur le bouton qui va vous diriger vers le dossier de candidature. D'accord ? Puisque comme je le vous dis, donc vous aurez le prix avant de remplir votre dossier, évidemment, le prix d'aujourd'hui. Et suite à ce dossier de candidature, je vais le recevoir, je vais les étudier. Je retiens votre candidature, je vais vraiment faire mon maximum, sauf si j'en ressens 200, mais ça m'étonnerait, faire le maximum pour contacter tout le monde. Parce que je vous dis, si vous n'entrez pas dans cette formation, j'en ai plein d'autres, j'ai plein d'autres solutions. Et je connais plein de monde. Donc, si c'est pas moi que je vous recommande, je peux vous recommander par rapport à vraiment, on va papoter ensemble pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais là, je saurais vraiment quel est votre besoin du moment, votre situation du moment, et vous aurez la solution à votre problème du moment. Sauf si vous me dites que votre problème énergétique, au niveau de la spiritualité, j'entends bien dans mon domaine, si vous me dites que vous avez des problèmes, des soucis de voiture, je pourrais pas vous aider. Voilà, c'était un peu d'humour. Vous avez le détail du programme, voilà, donc 17 semaines, en détail, vous prenez le temps de lire et tout. Le début de la formation est prévu le 3 octobre. À partir du 3 octobre, entre votre date d'inscription et le 3 octobre, si vous êtes impatient de commencer, je vous donnerai déjà des choses. Mais le 3 octobre, en fait, c'est en direct, donc avec le webinaire d'accueil, etc., la cérémonie vraiment rituelle et accueil de tout le monde. Voilà, voilà. Donc, vous n'avez pas le lien. Je vais voir si j'arrive à vous le donner là avant que vous partiez. Et puis sinon, vous l'aurez. Attendez. Là, je sais comment je vais faire. Je vais faire un copier-coller. Voilà. Puis je vais vous le mettre dans le chat. Hop. Vous pourrez le copier, le coller dans une autre fenêtre. Mais beaucoup d'informations vous a été transmises déjà là ce soir. Donc, en plus de ça, si vous êtes intéressé et vous ne savez pas trop, je vous invite à mesurer, à observer déjà l'effet Narissa dans les 2-3 jours qui viennent. Et puis, prendre le temps, vous avez la rediffusion, vous allez pouvoir regarder, vous allez pouvoir partager aussi la vidéo que je laisserai peut-être en accès libre, je ne sais pas comment je vais faire, ou tout simplement
vous allez partager l'email que je vous écrirai demain, que vous recevrez demain. Vous recevrez aussi les fiches que je vous ai dit avec les exercices d'ancrage, enfin d'ancrage et autres pour, voilà, pour calmer aussi vos, les effets de votre hypersensibilité. Et je vous dis peut-être, hein, je ferai un autre webinaire dans 2-3 jours. Plus court, c'est promis. Je vous embrasse très fort, je vous remercie infiniment pour votre présence et gratitude infinie, merci. Et c'est en ayant, voilà, même si on est loin, je vous ressens, on est à distance, mais je ressens votre énergie et ça me donne beaucoup d'espérance et de joie parce que vous représentez l'avenir. Est-ce que vous êtes voilà, vous avez un tel potentiel que je vous invite vraiment à le développer déjà pour vous, surtout, avant tout pour vous, pour votre bien-être, pour vous sentir à votre place, bien dans vos baskets, pour mieux vivre tout ce qui vous entoure, vos relations pour vous. Et vous allez, et ça va être naturel que vous allez rayonner tellement que tout autour de vous, les personnes qui sont en lien avec vous, votre femme, votre mari, votre papa, votre maman, vos enfants évidemment, frères, sœurs, etc., amis, les amis proches, les frères et sœurs d'âme, vont bénéficier de votre rayonnement sans que vous ne fassiez rien. Je l'expérimente à chaque fois, je suis bluffée. Je vous en parlerai un autre moment. Voilà, donc merci infiniment. Buvez de l'eau, reposez-vous bien. Pensez à vos douches énergétiques. Et mettez de la joie dans votre vie. Et soyez joyeux d'être vivant, d'être vous-même. Je sais que ce n'est pas facile. Mais vous voyez que finalement, il y a plein de solutions. Et avec toutes les informations, si vous connectez vraiment à vos besoins, essayez de vraiment ressentir quels sont vos besoins, de les accueillir, de les respecter, de vous respecter, de prendre le temps pour vous et de mettre des limites. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous tiens au courant par email. De toute façon, voilà, j'ai votre adresse et je vous tiens au courant pour la suite. Je vous embrasse. À très bientôt.